Alors qu'elle était au chômage depuis 2 ans, Mademoiselle Brissy Laura Sandrine se rend au centre d'excellence d'Angry confier sa situation au Seigneur. Brissy Sandrine, me rends grâce à Dieu. Depuis 2 ans, je suis au chômage. Et ça fait 2 mois que je viens prier ici. Et une fois, papa m'a regardé, il m'a vu, il m'a demandé si dans votre famille, on adore des serpents ou dragons. Et vous m'aviez dit d'appeler quelqu'un pour me renseigner. Et moi-même, j'ai dit non, que c'est dans des rêves que je voyais des serpents. Et papa a dit, il faut faire la retraite du désert. Donc j'ai fait la retraite du désert. Le prophète de Dieu lui demande alors de faire la retraite du désert, retraite des soins intensifs. Une retraite durant laquelle les anges du combat spirituel sont entrés en action, brisant, détruisant tous les liens ancestraux et réclamations sur la vie de Brissy Sandrine. Donc je rentre à la maison aux environs de 17h. On m'appelle que vous êtes prié de venir, c'est dans une banque. Donc je suis allée ce matin, mais ce n'était pas facile pour moi parce que de la maison, sortir tout et tout le trajet, c'était long. Et j'avais rendez-vous à 9h00. Je suis arrivée là-bas à 9h45. Et ça, je suis foutue. Dès que je me suis assise net, c'est maintenant les gars commençaient. Donc on a fini l'entretien, ils m'ont dit restez à l'écoute, on va vous appeler. Donc je suis rentrée à la maison. À 17h, même jour là, on me rappelle, vous pouvez revenir. Mais cette fois-ci au siège. En faisant la retraite du désert, Brissy Sandrine avait obtenu sa délivrance. Pour preuve, juste après, une banque de la place l'appelle pour un premier entretien. Entretien concluant malgré les obstacles. Le lendemain, elle est une fois encore convoquée, mais cette fois-ci au siège de la dite banque. J'arrive au siège, c'était pas facile. Le diable encore voulait me faire échouer. J'arrive, je m'assois. Et il y a une dame qui vient vers moi, elle dit, mademoiselle, vous pouvez me suivre? Je dis oui. On arrive maintenant dans le bureau du directeur. Avant d'arriver dans son bureau, ma chaussure se coupe. Donc j'ai attaché ma chaussure et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il m'a dit, présente-toi. Donc je me suis présentée, j'étais en train de parler. Il a soulevé ses yeux, il me regarde. Il dit, vous commencez demain à 7h30. Tu es tout pour moi. Dieu peut changer ton histoire. Quelle que soit la situation que tu traverses, le chemin tortueux que tu as emprunté, Dieu peut changer ta trajectoire et te faire entrer dans ta destinée prophétique. Amen. Avec le berger, Achiapa Komari. En full line, 01 31 51 06. Centre d'excellence Angry, il y a une place pour vous au sommet si vous êtes intéressé.